Yo tout le monde, c'est Pixelwazor. On se retrouve pour la suite de Skyrim épisode 5. On est rendu à... je ne sais plus quel village. J'ai traversé tout Tamriel pour pouvoir vous servir. C'est une très bonne question, car nous sommes bien loin de chez nous et ce pays est froid et austère. Le marchand avisé trouve les meilleures occasions, même s'il doit voyager loin pour mettre la main dessus. Bord de ciel en regorge. Les dragons et la guerre ont fait fuir bien des marchands, mais pour les courageux, il y a beaucoup de bénéfices à faire. Les Khajiits proviennent d'un pays lointain appelé Elsewhere, bordé au nord par Cyrodiil et au sud par les eaux bleues étincelantes de la mer. Elsewhere est un pays aride, fait de déserts et de canyons montagneux, où le soleil nous baigne constamment de sa chaude lumière. Il est des cités si anciennes que les sables les ont englouties tout entières. Mais je n'en dirai pas plus, car mon pays me manque terriblement. Jetez un œil. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds. Plus nous voyageons sur les routes de bord de ciel, plus ce pays me semble vide. Que les montagnes de bord de ciel sont majestueuses. Vous avez besoin de quelque chose ? Votre présence est un honneur. Les brigands, ça me fait pas peur. Mais ces histoires de dragons... Le monde est devenu fou. Évitez de vous attirer des ennuis. Halt ! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. J'ai menti. Non, en fait, non, c'est vrai. Paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois, et demandiez de l'aide à Eorlun Testoison ? J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Tiens, oui. Et si vous me fabriquez une dague de fer ? Voici tout ce qu'il vous faut. Allez-y. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pas mal. Ça me rappelle mes débuts. Je
Je ne prétends pas être la meilleure. Pas mal, mais elle n'est pas très acérée. Et si vous l'affûtiez un peu? Il vous faut juste un peu de métal et la meule qui est là-bas. Dans ce cas, je m'en vais. Avez-vous rencontré mon père? La plupart des gens l'ignorent, mais j'aide mon père de nombreuses manières. Ça m'a l'air très bien. Vous mettez beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin d'elles. Vous voulez continuer à vous rendre utile? Et si vous fabriquiez une armure? Commençons par tanner du cuir sur le chevalet. Eh bien voilà. J'ai des articles. Vous croyez que les conseils que mon... Ah, bien. Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de lanières et de doublures en cuir, ou ce genre de choses. Voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Voici les autres choses qu'il vous faut. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je peux vous aider. Je devrais vous engager pour m'assister, tel que vous travaillez. Améliorons un peu la taille. Apportez ce cuir à l'établi, là-bas. À la prochaine fois. Eh bien ? Avez-vous rencontré mon père ? C'est le chambellan du Jarl, à Fort Dragon. J'attends. Vous avez du talent. Continuez à pratiquer et vous maîtriserez parfaitement l'art de la forge un jour. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque? Vous vous souviendrez peut-être de moi quand vous fabriquerez de l'acier de la forge ciel, n'est-ce pas? Eh oui, il le faut bien si je veux être aussi douée qu'Eorlun Gris-Toison un jour. D'ailleurs, je viens juste de finir ma plus belle œuvre. C'est une épée. Je l'ai forgée pour le Jarl, Valgruf le Grand. C'est une surprise et je ne sais même pas s'il l'acceptera, mais... Écoutez, pourriez-vous remettre cette épée à mon père, Proventus Abenici? C'est le chambellan du Jarl. Il saura choisir le moment propice pour la lui offrir. Merci. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bienvenue chez la guerrière. Nous avons également des armes de taille plus réduite, des masses, des dagues, ce genre de choses. Je travaille pour Bellator, au magasin d'alimentation générale.
J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur. Savez-vous que certains fruits poussent mieux sous les climats froids ? Guerrier né, file-moi ton argent. J'ai pas de sous. Donne-moi immédiatement 5 septimes ou je t'éclate le nez. 10 septimes demain, guerrier né. Sinon, je t'éclate le visage. C'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Eh ben, je sortais en cachette la nuit et j'essayais de renverser le gros bœuf, celui qui est dans la cour des Grises Toisons. Mila et moi, on escaladait le toit de Fort Dragon pour aller chercher des œufs d'oiseaux. Mais j'ai arrêté de faire tout ça. Mon père m'attrape tout le temps et j'ai des tas d'ennuis. Garçon, fille, chien, adulte, j'espère que l'honneur de ta famille est important pour toi, mais nous n'avons pas les moyens. Il vous faut une lame ? Allez voir Adrian. Mais jadis, tu étais un homme ! Oui ! Vous êtes là ! Vous êtes là pour entendre la parole de Talos ! Parce que le soi-disant empereur est un couard ! Oui, j'ai bien dit un couard ! Oh oui, il a accepté de bannir le culte de Talos sous la menace d'une épée Aldmeri. Ils ont appelé ça le traité de l'or blanc. Eh bien moi, j'appelle ça un blasphème. Un vrai fils de l'Empire ne tournerait jamais le dos à son plus grand héros, quel qu'en soit le prix. Laissez-moi vous dire une chose, camarade. Nous sommes bien loin de Cyrodiil. Et en bord de ciel, rien ne nous détournera jamais du grand Talos. Ah ! Ils peuvent venir ! Je n'ai pas peur, car Talos est mon allié, et je suis son prophète. Ses mots animent mes lèvres, et son souffle, et ma voix. Je respire maintenant en atouts royaux, et façonne cette terre qui est la mienne. Je le fais pour vous, Légion Rouge, car je vous aime ! Oui, l'amour, l'amour. Même en moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Bon, ben en fait, je pense qu'on va se laisser ici, hein. Fait que je vous dis, à plus, je vais jouer un peu hors ligne pour trouver un peu plus d'aventure. Fait que je vous dis, ciao la gang. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Ciao.